Bonsoir. Faut-il lever les immunités parlementaires de Matata Ponyo pour qu'il réponde de ses actes dans la gestion de l'affaire Bukangalonzo devant la justice? Que pensez-vous de cette affaire? Est-ce que l'IGF, l'inspecteur général des finances, aurait été instrumentalisé pour inquiéter l'ancien Premier ministre Matata Ponyo? Nous allons en parler dans cette émission. Nous allons revenir sur l'état des sièges. En tout cas, les gouverneurs militaires et les vice-gouverneurs policiers ont pris possession de leurs nouvelles fonctions depuis ce lundi. Que pensez-vous de cet état des sièges? Il faut espérer que d'ici les 30 jours, la situation redevienne anormale, c'est-à-dire que l'on ramène la paix dans la partie est, dans les Nord Kivu et dans l'Ituri. Trois invités vont devoir répondre à ces questions. D'abord, Monsieur Michel Kitoko, bonsoir. Bonsoir Ambroise. Monsieur Michel Kitoko, ça fait très longtemps, mais nous vous présentons. Vous êtes du club des patriotes congolais. Je suis leader du club de patriotes congolais, initiateur de la dynamique politique PESA-Fongolamboka. Jusqu'aujourd'hui, Et vous d'ailleurs, êtes dans cette dynamique. cette dynamique va commencer à poser des actions sérieuses, des actions de grande envergure, des actions importantes, non pas de la manière dont vous êtes habitué. Mais rappel des troupes politiques dans le cadre de l'idéologie social-démocratie, social-démocratie basée sur la philosophie de Patrice Emery Lumumba. Pour tous ceux qui les reconnaissent, à partir de ce moment, nous allons renverser la donne le plus tôt possible. Merci. Également sur ce plateau, Monsieur Isaac Bakoukou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Vous Ambroise. êtes de Ensemble pour la République. Affirmatif, je profite pour souhaiter le bienvenu à mon président qui rentre à Lubumbashi aujourd'hui, Moïse Katumbi Tchapwe. Voilà, et je remercie aussi vos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde et à travers la République. Et merci pour l'invitation. Je salue aussi mon frère, Merci. le chef des patriotes, Kitoko. Nous faisons tous partie de la fondation Patrice Emery Lumumba. Et mon frère, je ne vais pas aujourd'hui dire mon fils parce qu'il va encore se passer, Jean-Pierre Bellessi. Merci, merci, monsieur Isaac. Alors, enfin, sur ce plateau, monsieur Jean-Pierre Bellessi, il est du PPRD. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ambroise, et merci pour votre invitation. Je voudrais, par cette même occasion que vous m'offrez, en tout cas, saluer des nombreux téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment, mais aussi mes collaborateurs. Merci. Merci. Alors, avec vous, nous parlons d'abord de l'état des sièges. L'état des sièges, en tout cas, ça aura été une décision importante. La parole à monsieur Jean-Pierre Bellessi, ça aura été apparemment une décision importante pour enfin donner la paix dans l'est du pays. Comment vous trouvez? Monsieur Ambroise, merci pour votre question. Je pense que cette question de l'état des sièges, déjà, du point de vue juridique, ça pose d'énormes problèmes, parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est que la procédure n'avait pas été respectée. Parce que si vous lisez les articles 119 aussi 144 de la Constitution, vous montrez la procédure. Et vous savez que dans la procédure, on doit. La procédure, elle est sacrée. C'est-à-dire, si la procédure, elle est vicieuse, en tout cas, tous les restes tombent caducs. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté de manière concrète? C'est-à-dire, le Congrès, il faut appeler, il faut qu'il y ait le Congrès avant, justement, que le président puisse proclamer l'état des sièges. C'est ça la procédure. Voilà. Mais c'est là, on est passé outre cette procédure-là. Peu importe, parce que nous sommes habitués déjà à ces régimes qui violent d'une manière permanente la Constitution. Ça, ce n'est pas un problème. Mais, monsieur Ambroise, c'est ça l'opportunité, justement, de cet état de siège. Parce que moi, j'ai entendu le président de la République. Il dit clairement qu'il fait appel à l'unité. Et moi, j'ai applaudi parce qu'en fait, aujourd'hui, il a compris qu'il y a certaines questions lorsqu'elles touchent justement la souveraineté, même l'intégrité du territoire, pardon, nous devons parler le même langage. Là, je suis en tout cas d'accord avec lui. Parce que hier, lorsqu'il était. Ah bon, je ne dis pas lui personnellement, tous ceux qui étaient à l'opposition à l'époque voyaient toutes les choses toujours dans un mauvais œil ou soit dans un mauvais œil. Parce que ce qui est vrai, ce qui est vrai, monsieur Ambroise, c'est que la situation que nos compatriotes traversent à l'est du pays, en tout cas, il faut dire que ce sont des situations qui sont insupportables. Moi, j'ai toujours parlé, monsieur Ambroise, en termes de statistiques. Parce que pour savoir si le pays avance, nous devons tabler sur les statistiques. Parce qu'il faut savoir que lorsque le président Honoré Joseph Kabila avait son pouvoir,
il faut le reconnaître qu'il a trouvé des milliers de groupes armés à l'est du pays, non seulement des groupes armés, mais aussi des armées étrangères sur notre sol. Il vous souviendra de la guerre des six jours qui s'en allie entre les armées ougandaises et rwandaises. Mais il s'est battu et lorsqu'il a quitté le pouvoir, il a laissé, je vous donne les chiffres qui ont été non seulement certifiés par la MONUSCO, mais aussi par les Nations Unies. Il a laissé 46 groupes armés à l'est du pays. Mais brusquement, nous sommes passés des 46 groupes armés à 167 groupes armés. C'est-à-dire qu'il y a une recrudescence, n'est-ce pas, de l'insécurité à l'est du pays, mais aussi, regardez bien, les images qui sont balancées aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait 3-4 jours, je ne mangeais pas. Lorsque j'ai vu dans une vidéo, on est en train de couper la tête d'une personne comme si on coupait la tête d'une chèvre. C'est quand même grave. Et la preuve de tout cela, c'est quoi, M. Samboy? C'est que vous vous imaginez, aujourd'hui, les jeunes se sont organisés, en tout cas, avec le machette, avec les flèches, avec les armes, d'une manière générale, des armes blanches pour aller poursuivre les rebelles. Cela suppose quoi? Cela suppose justement qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Donc, si cet état de siège... Donc, l'état de siège est, en quelque sorte, la bienvenue. Mais voilà, je ne refuse pas, parce que si c'est dans le but de trouver, soit des nos compatriotes, recouvrent la paix à l'est du pays. C'est ça le but, justement, il n'y a pas une autre. Bien sûr, mais je suis, si c'est cela, parce qu'il ne faut pas oublier que bientôt, là, il y aura les élections. Il ne faut pas que cet état de siège nous serve justement à un alibi pour dire, bon, nous sommes dans un état de siège, il ne faut pas qu'on engage une élection. C'est une dimension très, très importante, vous voyez, parce que je ne vois pas... Mais ce n'est pas sur l'ensemble du territoire national. Même si dans une partie de la République. N'est-ce pas? On peut toujours utiliser ces prétextes-là pour dire nous sommes dans un état de siège. Donc c'est pour dire ceci, M. Samboy, nous ne sommes pas d'accord totalement avec ce qui a été pris comme initiative dans l'état de siège, bien sûr. Mais nous voulons justement cette question soit en tout cas bien restructurée, soit bien structurée, parce qu'il y a une dimension très importante. Tous ceux qui ont été élus, n'est-ce pas, dans les différentes provinces, les gouverneurs et les députés provinciaux ont on appelle ça un droit de redevabilité. Hein? Mais aujourd'hui, on a placé les généraux et les policiers. Est-ce qu'on a organisé cela? Parce que déjà, il y a un problème du point de vue légal. Il n'y a pas une loi qui régit, n'est-ce pas, non seulement l'état de siège, mais aussi l'état d'urgence. Donc, moi, j'ai appris qu'il y a un député qui a pris une proposition de loi de l'État, c'est sens-là. Donc il faut que cela soit organisé, parce qu'on ne peut pas ici, je suis par là, M. Ambroise, que cette situation, n'est-ce pas, ajoute encore beaucoup plus, n'est-ce pas, beaucoup plus de souffrance pour notre peuple, parce que nous savons bien comment est-ce que nos militaires se comportent également, en termes de tracasserie, en termes de problèmes dans ce sens-là. Je pense que nous allons voir les résultats de cet état de siège pour justement que nous puissions, en tout cas, dire oui ou non à cet état de siège. Merci. Alors, M. Isaac Bakoukou, est-ce que vous êtes de l'Union sacrée de la Nation? Est-ce que cet état de siège pourrait être utilisé dans l'avenir comme alibi ou un prétexte pour retarder l'organisation des élections en 2023? Merci pour la question. J'ai une préoccupation que je voulais exprimer. En fait, je suis content d'apprendre que le RAM a été suspendu et je souhaite que ces RAM suspendus, mais qu'ils soient réorientés dans un secteur bien précis. Monsieur Isaac, répondez à ma question, s'il vous plaît. Oui, je vais répondre. Vous n'êtes pas là pour faire passer un message. Non. Répondez à ma question, vous gâchez l'émission. Nous, politiciens, on peut suggérer des solutions. Non. Et parce que le peuple, vous la pouvez population... Vous pouvez évoquer ça. Oui, je vois que ça, s'il vous plaît, c'est important, s'il vous plaît. Donc, ça nous prend du temps pour rien. Non, récupérez mes minutes. Il y a ceci. Il y a eu une réaction négative de la population. Mais moi, je dis aujourd'hui, c'est une opportunité, par exemple, pour le nouveau ministre de la Santé de réorienter avec son collègue des Affaires sociales et des actions humanitaires pour la couverture universelle de l'assurance maladie. Parce qu'il faut financer, parce que les Congolais meurent devant le médecin qui refuse de les toucher parce qu'il n'a pas de sous. Alors, quand vous créez une taxe, il faut définir
la finalité. Il fallait revenir sur ce sujet. Nous allons parler du travail de l'IGF avec Matata Ponyo, on va parler de la gouvernance. Alors moi, je pourrais revenir sur la taxe. Moi, je propose. Parlons d'abord de l'état des sièges, s'il vous plaît. Le RAM doit. S'il vous plaît, parlons de l'état des sièges. Je vais vous donner la puce à l'oreille. Finance la couverture universelle de l'assurance maladie afin de permettre aux Congolais d'avoir une couverture médicale. Alors, moi, aujourd'hui, je suis fier d'être Congolais. Je suis fier d'être Congolais parce que je n'ai jamais entendu les discours que le général Tojoni a prononcé après la remise et reprise avec le gouverneur. Il dit, je suis venu ici pas pour les 30 jours. Je suis venu ici pour que... Ah voilà. Vous voyez, hein? Pour que... Non, je suis venu ici pour que ceux qui, les étrangers qui opèrent dans mon pays, puissent quitter le pays. Les compatriotes qui opèrent pour déstabiliser leurs propres compatriotes déposent les armes et je le ferai sans aucun état d'âme. C'est un discours motivant la population et ses propres éléments. Je n'ai jamais entendu. Ça fait plus de 20 ans, ou depuis 1997, on me dit le groupe armé se sont multipliés. Ouais. Qui est arrivé? Oui, vous avez dit, quand Kabila quittait le pouvoir, ils étaient au nombre de je ne sais pas combien, et aujourd'hui, ils sont au nombre de 160. Mais il faut voir la genèse. Depuis que l'AFDEL est arrivé dans ces pays, et ce sont même les gens qui ont accompagné Abdel, qui ont créé, vous savez, les M23, je ne sais pas si c'était tout ça là, ils consortent. Ce sont des corpuscules qui étaient dans l'Abdel, n'étant pas contents, ils se sont multipliés. Ce n'est pas... Et puis nous avions une autorité de l'État à l'époque, dont la mission... c'est de pacifier le pays, d'éradiquer ce mouvement armé. Depuis 18 ans, je n'ai jamais vu l'armée congolaise organiser une manœuvre. Manœuvre militaire, je n'ai jamais vu ça. Et deuxièmement, le pays, il y a toujours eu des morts. Il y a toujours des morts. On a massacré aussi ceci à Beni. On a même brûlé la maison du chef de l'État de l'époque. Mais l'état d'urgence, c'est une exigence nationale. L'état de siège, c'est la même chose, ça ne change pas grand-chose. Non, c'est différent. Ça ne change pas. Ou l'état d'urgence, ou l'état de siège, c'est dans la Constitution, monsieur. Donc, ça ne change pas grand-chose. L'état de siège, c'est une exigence nationale pour permettre à l'autorité, restaurer l'autorité de l'État, et permettre à l'État d'éradiquer tous ces roublards que nous avait amené l'AFDL. Merci. Non, non, je n'ai pas fini. Je termine. Alors, vous m'avez demandé de vous retirer le temps, non ? Ceux qui disent, ceux qui ont utilisé une certaine presse étrangère que nationale concernant l'état de siège, ceux qui râlent, moi je vous l'ai dit, c'est une première victoire. Parce que le président Félix Tshisekedi a tapé au point parce que on nous a imposé une guerre économique pour que les gens viennent opérer, utiliser nos minerais sans contrepartie des Congolais. Alors, maintenant, le message est très clair. L'état de siège, c'est l'Assemblée nationale qui doit encadrer avec une loi. Et pourquoi pas un renouvellement automatique si la situation persiste. 30 jours, 15 jours renouvelables. Et pourquoi pas une loi qui dit, non, écoutez, l'état des sièges, ça peut se renouveler tous les 15 jours automatiquement. Tout ça parce que nous avons les soucis. Le président a eu le souci de mettre un terme à cette situation qui empêche le développement de notre pays. Merci. Alors, ceux qui disent que ceci, cela, machin, ce sont des gens qui sont contre le peuple. Ils sont pour l'extermination du peuple congolais. Merci beaucoup, M. Isaac. Monsieur Michel Kitoko, vous teniez beaucoup plus à la restauration de la paix dans l'est du pays. Vous y teniez beaucoup. Est-ce que cette fois-ci, vous pouvez saluer
cette décision de l'instauration de l'état de siège? Bon, moi je ne peux dire que toutes les méthodes ou procédures sont les bienvenues à partir du moment où ça ramène la paix dans notre pays. Parce que la manière dont nos compatriotes sont égorgés, la manière dont nos compatriotes sont massacrés à l'est du pays, c'est des fois sans méthode, encore moins entrer dans le respect des codes de loi, notamment de charte des Nations Unies ou les chartes de droits de l'homme et ainsi de suite. Donc moi, toutes les méthodes que le pays peut appliquer pour amener la paix sont les bienvenues. Mais néanmoins, j'aimerais corriger une chose. Néanmoins, j'aimerais corriger beaucoup. Une chose. Un vrai patriote. La chose que je voudrais corriger, c'est que ce n'est pas avec les discours qu'on ramène la paix. Je viens d'entendre ici qu'il y a un général qu'on a nommé à la tête d'une province, ouais. Comme gouverneur, qui a tenu un discours. Et dans l'autre temps, nous avons des commandants régents. Attendez, nous avons des commandants régents. Nous avons nos militaires qu'on déploie. Et tous ces militaires, vous pensez... Vous n'allez quand même pas interdire à un gouverneur qui vient d'arriver, qui prend des fonctions, je ne dis pas que... de ne rien dire. Non, je dis ceci. Je dis ceci. Ce n'est pas avec les discours, c'est avec les actes. Parce que si c'est les discours, alors même les commandants régionaux allaient tenir le même discours. Je ne connais pas un seul militaire qu'on envoyait à l'est du pays et qui peut vous l'étendre les micros, il va vous dire qu'il est venu ici pour ne pas ramener la paix. Tout le monde dira la même chose. Donc, au moins, on ne va pas m'épater avec les... Oui, mais dans les opérations, c'est quand même différent. C'est quand même différent dans les opérations, dans l'administration. Non. Parce que l'administration civile laisse la place à l'administration militaire, c'est quand même différent. Attention, il faut faire une différence entre l'occupation de militaires dans la gestion de l'administration publique du pays et puis la problématique de l'insécurité à l'est du pays. Oui. Sur la question de l'insécurité, ce sont les mêmes militaires qu'on a trouvé, qu'on a déployé, qui seront opérationnels, rien ne va changer. À part le fait que dans l'administration générale, fonctionnelle du pays, on a placé un militaire à la tête. Ça, c'est une information quand même importante qu'il faut s'en tenir. Deuxième chose, lorsque nous avons un gouverneur qui est militaire, tout ça, vous savez pourquoi? C'est parce que, avec tout ce que nous avons attendu par le Parlement de notre pays en disant que le député, l'institut de Kivu, les civils qui sont là, quitter les groupes armés. C'est comme ça qu'on permet maintenant aux militaires, c'est-à-dire aux généraux, d'occuper certaines fonctions dans ce sens-là pour veiller à ce que la paix revienne. Si jamais cette paix est manipulée par les civils de notre propre pays. Donc là-dessus, je reviens encore et je martèle. Ce n'est pas avec les discours, mais c'est avec les actes. Alors, lorsque j'attends que dans les 30 jours, on peut les proroger, on revient à la case de départ. On revient à la case de départ. Parce qu'on a toujours prorogé l'envoi des militaires à l'Est. Moi, ce que j'avais demandé depuis longtemps, ce n'est pas l'état de siège, encore moins l'état d'urgence. J'ai demandé quoi? Nous avons demandé ceci, qu'il y ait une délocalisation de l'état-major général de notre pays à l'Est. De manière définitive. Pourquoi? 90% des attaques que le pays a connues viennent de l'Est. Ce n'est pas avec l'état des civils qu'on va résoudre le problème. Mais si le coût depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, est tellement exorbitant. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, 90% des attaques que ce pays a connues viennent de l'Est du pays. Moralité, vous avez une villa et vous savez que voilà la porte ou la fenêtre par laquelle l'ennemi entre. Vous ferez quoi de la fenêtre? Soit vous fermez, vous barricadez, vous marquez une attention particulière. Voilà pourquoi j'ai toujours dit... Nos militaires qui sont en Bandaka, nos militaires qui sont à Kisangani, nos militaires qui sont en Bujimaï, nos militaires qui sont à Kananga, nos militaires qui sont au Congo central, ils font quoi là-bas? Il faut concentrer l'ensemble de nos militaires, c'est-à-dire des moyens de défense que nous avons à l'est du pays. Et je suis allé plus loin, à demander... L'ensemble? Mais quand je dis l'ensemble, oui, mais pourquoi pas? Vous savez, nous sommes 90 millions... de Congolais. Il faut prévenir. Il faut prévenir les incursions, il faut prévenir les attaques. Nous devons avoir l'esprit, ce que moi j'appelle l'esprit de créativité dans notre pays. J'avais même demandé qu'il y ait une deuxième capitale, que moi j'appelle la capitale de la défense de notre pays, basée à l'Est, de manière définitive. Sinon, demain, après état de siège, que les militaires rentrent, que ces généraux-là laissent l'administration, vous pouvez attendre demain, après-demain, on vous dit, balkanisation, ce pays est occupé entre les mains de ceci ou de cela. Au-delà des groupes armés, ce que vous appelez groupes armés, nous avons des terroristes, vous n'évoquez pas ça. Le plus grave, c'est le terrorisme qui entre ici, du genre de Boko Haram, du genre d'État islamique qui opère dans notre pays. Est-ce que ça, on en évoque? Est-ce qu'on sait
quelles sont les méthodes appropriées que nos militaires ont apprises dans le cadre de la gestion de lutte contre les terroristes? Le terrorisme, on ne négocie pas avec, on le combat. Mais on le combat comment? Parce que le président de la République lui-même sait que c'est une guerre asymétrique. Ce ne sont pas les militaires que vous placez au front, sachant que l'ennemi est à tel endroit et vous commencez à frapper. Non! Le terrorisme, et vous avez vu le mot, l'air façon même d'opérer. Oui, mais c'est pour cela dans les mesures d'application de l'état des sièges, il est prévu des perquisitions dans des nuits ou des jours, mais juste dans les maisons, dans les domiciles. Attendez, perquisition, c'est autre chose. Identification de ces groupes qui opèrent dans notre pays, c'est aussi une autre chose. Moi, j'étais choqué. Lorsque j'ai vu l'ambassadeur de l'Italie, après qu'il soit abattu, et ce sont les médias qui vont interviewer des groupes armés qui opèrent dans notre pays pour dire c'est vous, et ils disent c'est pas nous. Donc on sait même le localiser, on sait même entrer en contact avec dans notre propre pays. Vous trouvez ça normal? Alors voilà les éléments qui nous indiquent et qui nous montrent, c'est-à-dire que le preuve qui nous montre que tant que nous n'opérons pas de manière spécifique en rapport avec la situation réelle, nous n'allons pas répondre aux problèmes posés comme tels. Donc, aux problèmes posés, gravissimes, par les terroristes, aux réponses posées de manière gravissime contre le terrorisme avéré. Merci. Et là, je peux même dire que le président de Pluc aurait fait quoi? Envoyer quelques troupes, aller prendre des formations spéciales sur la lutte contre le terrorisme. Oui. Il y a des pays qui savent former ça. Vous comprenez? Ce n'est pas en nommant un général que ces terroristes-là, ils vont quitter le pays. Ils sont dans les savanes, dans les forêts. Il y a des méthodes appropriées pour aller les déloger. Merci. Vous comprenez? Merci. Alors, monsieur Jean-Pierre Bellessi, pourquoi vous avez tendance à politiser ce qui ne devrait même pas l'être? On parle de l'état des sièges, vous y voyez les élections de 2023, vous y voyez un alibi, un prétexte pour retarder les élections. Et vous n'accordez même pas beaucoup de crédit à ce que pourrait donner comme résultat cet état de siège. Non, pas du tout, M. Ambroise. Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais tout de même dire à M. Isaac ceci. Je ne sais pas si, lorsque M. Isaac vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Parce qu'à chaque fois, votre perturbation vient toujours de 18 ans. Hein, lorsqu'on vous pose une question, vous révélez... Devoir de mémoire. Mais permettez-moi, devoir de mémoire. Permettez-moi, s'il vous plaît. La Shoah, ça existe depuis... Laissez-les. C'est le devoir de mémoire. Laissez-les. Je vous rappelle simplement ça. Lumumba a été assassiné en 1961. Laissez-les, vous l'avez dit. On rappelle, devoir de mémoire. Il faut comprendre ça, que c'est le devoir de mémoire. Ok, on a compris. Laissez-les. Et vous appelez M. Isaac. Alors, je disais tantôt ceci, que j'ai entendu M. Kitoko dire ici du déplacement de notre état-major. Parce que c'est là aussi, c'était l'une des promesses du président de la République. N'est-ce pas? Il avait dit clairement qu'il allait déplacer, n'est-ce pas, notre état-major à l'est du pays. Mais aussi, lui-même... Il y a des études qui sont faites. Mais j'en arrive. On passe par l'état des sièges. Exactement. Mais lorsqu'un homme d'État, on le reconnaît dans le respect de sa parole, de ses engagements, c'est clair que ça... Mais une dimension importante, M. Ambroise, dans tout ce que nous disons, vous savez, seules les armes ne peuvent pas toujours amener la paix. Il y a une autre dimension que nous oublions beaucoup plus, la diplomatie. C'est un élément très très important. Parce qu'il faut savoir que dans ce cadre-là, il y a un accord d'Addis Abeba qui, en tout cas, avait prévu que tous les États, n'est-ce pas, de la région, n'est-ce pas, devraient normalement respecter leurs engagements. Parce que si vous lisez les rapports mapping, n'est-ce pas, il y a des États qui ont été nommément cités dans la création des groupes armés à l'est du pays. Donc c'est une dimension aussi importante que nous devons beaucoup plus travailler. Parce que bien sûr, on peut utiliser l'option militaire. Moi, je ne suis pas contre. Est-ce que c'est la seule option? Non, on n'a pas dit que c'est la seule. On a tenté mais bien sûr, parce que est-ce qu'on n'y va pas avec tout, la diplomatie? Non, justement, c'est là où j'interpelle les militaires de l'autre. C'est là où j'interpelle nos autorités pour dire seules les armes ne suffisent pas. Il faut encore une autre dimension, soit une autre option, c'est-à-dire celle de la diplomatie, pour en tout cas faire comprendre, n'est-ce pas, à ces États qui nous entourent, non seulement ces États qui nous entourent, mais aussi des multinationales. Parce qu'il est évident, il est vrai que ces mouvements rebelles à l'est du pays sont parfois financés par des grandes multinationales. C'est connu. Alors, c'est ça le rôle de la diplomatie, pour aller discuter avec ces multinationales, pour aller discuter avec ces États, même ces grandes puissances que vous entendez,
pour qu'ils comprennent qu'il serait mieux de travailler avec les discuter gouvernements. Discuter avec eux pour qu'ils vous laissent. Non, 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 seulement laisser, mais... Pourtant, de on leur a dit faire que comprendre... c'est un fonds de commerce non, 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 pour, bien pour si, ces multinationales. Bien sûr, mais pour leur faire comprendre qu'ils ont beaucoup plus à gagner de travailler avec les gouvernements congolais qui dépassaient par ces groupes armés. C'est ça l'option qui est aussi importante que nous, parfois, nous négligeons. Parce, mais c'est ça qui nous dit ici que nous sommes contre... l'option soit de l'état d'échec. Mais les groupes armés ont goûté aussi à la tomate. Bien sûr. Ils ne veulent pas reculer. Mais bien sûr, il faut aller. Il faut maintenant utiliser la force. Bien sûr. Je ne suis pas contre, M. Ambroise. Je pense que je me fais comprendre ici. Je me suis bien fait comprendre. Je disais tantôt ceci. On peut bien entendu utiliser l'option militaire, mais il ne faut pas exclure, négliger toutes les autres options. On utilise tout simplement l'option militaire. C'est pourquoi je vous ai évoqué la diplomatie. C'est aussi une option qui est très très importante que nous devons capitaliser. Nous ne sommes pas contre l'état de siège, M. Ambroise. Parce que les gens nous font croire, ou soit une nouvelle, nous faire dire ici que nous sommes contre. Personne n'est contre ça. Mais seulement, nous voulons tout simplement que tout ce qui a été comme promesse, n'est-ce pas, faite par le président de la République, soit respecté. Parce qu'il avait promis qu'il allait restaurer la paix à l'est du pays. Parce que, M. Ambroise, je vous ai donné ici la situation s'empire chaque jour davantage à l'est du pays. Moi, je vous ai dit, j'ai vu des vidéos. Donc, nous sommes là. Il ne faut pas qu'on nous ramène dans une situation. Parce qu'aujourd'hui, hein, je sens dans, même dans le discours de M. Isaac, c'est comme si ils sont dans le triomphalisme déjà. Oui, comme ça, bien sûr, mais c'est dangereux ce discours-là. Oui, oui, oui. Nous voulons que, effectivement, si cette option d'état d'urgence a été décrétée, ou soit, cette option militaire a été décrétée, nous voulons les résultats in fine. Merci. Ce n'est pas déjà. Parce qu'on ne souhaite pas la victoire à la guerre. Merci. Nous voulons que ce travail soit bien fait. Pour que nos compatriotes recouvrent la paix, j'insiste là-dessus. Merci. C'est ça d'abord. Mais monsieur Isaac Bakoukou, vous avez dit tout à l'heure, vous avez rappelé une déclaration de l'un des deux gouverneurs militaires qui a dit qu'il n'est pas venu pour les 30 jours, il est venu pour la paix. Est-ce que c'est une manière de préparer la population oui, qu'on va aller des prorogations oui. Moi, je pense qu'un chef militaire, il doit motiver. Vous savez, Mamadou Ndala. Et il est de la race de Mamadou Ndala, de Baouma et de Bouzamabé, les deux généraux-là. Ils ont échappé belle. S'ils étaient, après on les avait enrôlés pour aller à la bataille là-bas, ils ne seraient pas là aujourd'hui. C'est une manière... Vous savez, à l'époque de la guerre des 80 jours, il y avait un général qu'on appelait le serpent de rail. Le commandant de 311 bataillon, le général, comment ça s'appelle qu'on appelait Tigre, c'est alimenter la confiance des troupes. Ils sentent que non, ça c'est un général en qui on peut faire confiance. Et il connaît les terrains. Il a opéré là-bas aussi. Il connaît les terrains. Et il doit motiver ses troupes et motiver la population. Il n'est pas là venu pour faire les commerces. Il n'est pas venu là pour vendre les armes et les munitions. Il est venu pour rétablir la paix dans une situation exceptionnel. Une situation exceptionnelle, des actes exceptionnels. Alors, je dois vous rappeler, mon frère Kitoko, si vous ne savez pas qu'il existe des troupes antiterror ici en RDC, je vous informe que il y a toute une... il est national, la LENI, la Légion d'intervention, l'EXPIRE. C'est... Je vous informe. Vous pouvez aller, s'il vous plaît. Je peux vous en... Il n'y a personne qui me contredira. Dans la LENI, je vous dis, dans la LENI, il y a des troupes antiterror formées contre le terrorisme. Et les gens qui sont allés voire même à l'espoir qu'il y avait les Kamouni à Chapou. En fait, c'est une légion d'appui à la FARDC avec des formations spécifiques. Ça existe dans notre pays. Et vous ne nous direz pas le contraire. Deuxième chose, monsieur, vous me dites l'accord de Addis Abeba. Oui. Pendant tous les temps que vous étiez là, vous pouvez me donner la suite de l'accord d'Addis Abeba? Oh là là.
C'est que oui, parce que je reviens toujours dans les devoirs de mémoire. Parce que je refuse que vous soyez les donneurs de leçons. C'est vous qui avez négocié cet accord d'Addis Abeba. Et je vous dis une chose, la diplomatie que vous évoquez, nous avons les troupes kenyennes, il y aura d'autres troupes qui vont arriver ici. Moi, j'ai même une proposition, je dis, en dehors de ça, il faut aussi que les autochtones puissent s'organiser. S'organiser, parce que en dehors de l'intervention militaire et tout cela et consort, il faut aussi que les Nwami que j'appelle, que vous certains que vous avez surnommé le pacificateur qui a traité, qui a travaillé pour le gouvernement, et il a négocié avec tous les belligérants de l'époque, M. Vital Kamerhe. Vous prenez le notable de l'Est comme Pai Pai, vous prenez Marcelin Chisambo, vous prenez Bitakwira, vous prenez les Roubérois, les Nyarugabo, tous ceux qui vivent dans ce coin-là, la même chose en Ituri, de mener, vous parlez de diplomatie, de mener aussi un dialogue intercommunautaire. Les gens qui vivent à Minembwe, les gens qui vivent à Fizi, s'il vous plaît, voilà. Tous ces gens-là aujourd'hui, quand il a rappelé ce que le président de l'Assemblée nationale avait dit, il a dit des choses que moi je voyais les acteurs de la société civile les disaient, que ce soit en Ituri comme dans le Kivu. Mais il appartient aujourd'hui à ces gens que je viens de citer de s'organiser, les Bahati également, de s'organiser, et les gens qui étaient dans le milice là, qui nous disent un peu pourquoi ces histoires persistent. Qu'est-ce qu'ils avaient promis? Évidemment, il faut expliquer au Rwanda, expliquer au Burundi, expliquer à l'Ouganda. Tu me donnes les raisons. Vous nous prenez, c'est non, parce que vous parlez de diplomatie. Vous parlez de diplomatie. Ouais, la différence. Mais la diplomatie est amorcée. Il est amorcé. Merci. N'empêche. Qu'on puisse utiliser la force, il faut disposer une forme de dissuasion. Merci. Parce que tout comme il a dit, tout ça m'amène à Rome. C'est ça que oui. Parce que vous pensez que vous nous ramenez à l'accord d'Addis Abeba. Qui avait négocié l'accord? Merci, monsieur Isaac. Il y a un bureau. Quid des résultats de cet accord? Ça a évolué ou ça n'a pas évolué? Et à qui la faute? Il ne faut pas aujourd'hui porter la faute ou devenir quelqu'un qui nous donne une. Donc la République s'arrête au sous-tour de la capitalité. Merci, monsieur Jacques. Parce que la République a été détruite. Merci. Ils sont colmatés. Il faut même Dieu n'a pas créé le monde en un jour. Vous avez trouvé les choses, c'est pendant 7 jours que Dieu a créé. Et quand vous arrivez au pouvoir, vous trouvez la manière dont tout, même les premiers flics en cavale, et même tout ça, vous pouvez rendre compte que maintenant, la République est destituée. Alors, monsieur Michel Kitoko, vous avez parlé du terrorisme. Voudriez-vous que l'état de siège ne soit pas décrété? D'abord, qu'on envoie des troupes en formation sur le terrorisme, une formation spéciale, pour que enfin, il y a des gens qui sont formés ici. Et pendant ces temps, on allait toujours compter des morts. Non, pas du tout. Moi, je pense que lorsqu'on est président de la République, lorsqu'on veut prendre ses fonctions en tant que président de la République, on se prépare en amont et connaître l'état de la situation du pays, et c'est par là qu'il y a une vision réelle laquelle vont permettre à ce que vous ramenez la paix là où il n'y a pas la paix, vous ramenez l'économie là où il y a un problème, vous ramenez la gratuité de l'enseignement parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a cela. On ne gère pas le pays dans le cadre des tantonnements lorsqu'on est sur place. Non, on doit avoir une vision. Et c'est au nom de cette vision que je me dis, j'étais à sa place, je ferais quoi? C'est des unités spéciales. Beaucoup de pays le font. Il n'y a pas honte en cela. La France a une unité spécialisée de la lutte contre le terrorisme. Le Niger aussi, contre le Boko Haram. Beaucoup de pays dans le monde, même le Tchad. Beaucoup de pays dans le monde, n'en parlons même pas en Libye. Ils les font en forme des gens à des cadres spécialisés contre le terrorisme. Pendant que nous étions en train de nous battre ici, 2011-2012, contre le terrorisme, j'étais parmi les rares qui commençaient à prononcer ce discours de terrorisme ici. On appelait quoi ici? Groupe armé, le force négative. Moi, je dis non, attention, le mode opératoire de ce qui se passe là-bas, ça n'a rien à voir avec ce que vous racontez ici. Ce que moi je vois sur le terrain, c'est du terrorisme. Le terrorisme, c'est quoi? C'est l'emploi de la terreur à des fins politiques et religieuses ou doctrinales, voire même l'accaparement de la richesse du pays. C'est ça la définition simple. Alors qu'est-ce que nous voyons là-bas? On est en train de tétaniser la population, en train de les égorger pour déguerpir la population des lieux déterminés afin qu'ils viennent occuper. C'est ça
La démarche, c'est le terrorisme. Et quand ils vont occuper, parce qu'il y a la richesse, ils vont commencer à nourrir le relais là-bas à l'étranger, en Iran ou dans d'autres pays où ils ont de bases beaucoup plus importantes. Donc ils viennent là où il y a la richesse. Il y a même le moyen à se cacher. Donc de ce point de vue, on devait se structurer en amont pour connaître, identifier ces groupes terroristes et avoir une formation spécifique là-dessus. Même les Américains contre Ben Laden, on n'a pas envoyé n'importe qui. On a envoyé On a exclu ça. Non, je dis ceci. On n'a pas envoyé n'importe qui. On a envoyé les gens qui ont été formés. Je dis ceci. Ce n'est pas tard. Mais parce que c'est récurrent dans ce pays. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui qu'après contre-jour, c'est fini le terrorisme dans notre pays. Non. Il faut former une unité spécialisé dans ça, mais qui est basé existe. Pour protéger l'unité. Attendez, mais sans effet. Oui. Sans, unité existe sans effet. Oui. Je veux une unité spécialisée qui a une force de dissuasion importante et qui mate les terroristes dans notre pays. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément que moi, j'aimerais souligner, lorsqu'il il fait le récapitulatif historique de ce qui s'est passé, moi, je suis en train de huer. Parce que pendant que nous, on se battait ici pour qu'on puisse lancer des mandats d'arrêt contre certains rebelles compatriotes de notre pays, le même, nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont dans l'Union sacrée aujourd'hui, disaient quoi? Ce ne sont pas des terroristes. Je cite Roger Lumbala. Et quand on a lancé mandat d'arrêt contre lui, ce sont les mêmes opposants aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui ont plaidé à ce qu'il y ait l'amnistie, de façon que cela retourne et gère la situation dans notre pays. Il y a eu de l'amnistie. Vous savez, dans un pays où lorsqu'on commet des erreurs et des fautes graves, moi j'étais contre le brassage, le mixage, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça fait appel d'air à des nouvelles générations pour dire, si je prends les armes, je m'applique, je serai général, je serai colonel et je serai peut-être ministre ici et là. Il fallait stopper avec ces méthodes-là. Alors aujourd'hui, moi j'ai vu l'ensemble même des groupes armés qui entrent même dans l'Union sacrée de manière ostentatoire, ça laisse... Ça sonne ma tête de temps en temps. Je me dis, mais il y a un problème. Les gens du CNDP sont membres de ceux qui ont manifesté leur adhésion. Parce que vous me demandez à citer. Les gens du CNDP. Et même les gens du M23. Les gens du M23. Et même ceux-là qui ont été condamnés, dont Roger Lumbala, le premier adhéré à l'Union sacrée, condamné à Paris. Non, mais attendez. Parce que vous voulez que je cite. Quelqu'un peut manifester. Il n'a pas eu l'approbation. Quelqu'un, c'est son droit de manifester, d'adhérer, mais s'il n'a pas eu l'approbation, je réponds à votre préoccupation. Vous n'avez aucune charte, encore moins les formulaires, où les gens remplissent pour adhérer. Il n'y a que des déclarations, et ce n'est pas des déclarations que vous adhérez à l'Union sacrée, tout le monde le sait. Vous ne pouvez pas grandir. Montrez-nous un formulaire d'adhésion, vous n'en avez pas, ou une charte. Vous n'avez rien. Mais donc, ça n'a pas de déclaration. Mais donc, la déclaration ne tient pas. Il vient adhérer. Je ne suis pas pour le moment. Moi, je suis patriote. Je dis simplement que. C'est vous qui avez utilisé le FDRL là-bas, tout ça, Vous n'allez pas échapper à cela. Vous n'allez pas échapper à cela. Et RCD KML, membre de l'Union sacrée. Et de manière ostentatoire. S'il vous plaît, si. RCD KML, membre de l'Union sacrée. CNDP, membre de l'Union sacrée. Merci. Ainsi de suite. Merci. Donc, c'est pour dire quoi? On n'a jamais été membre. Nous devons faire un état des lieux lequel va permettre à ce que la situation de notre pays puisse retrouver sa paix durable sur base des comportements politiques des acteurs de notre pays. Merci. Et je chute là en disant, vous savez, la question sécuritaire de notre pays, ça n'a rien à voir avec les tendances politiques, s'il vous plaît. Oui. On ne rigole pas. Oui. Parce que nos compatriotes qui sont massacrés là-bas n'ont pas de couleur politique. Non, mais vous ne comprenez pas la sécurité nationale. Je vous demande, écoutez, je dis simplement que c'est une obligation. Je dis ceci, que c'est une obligation du premier citoyen président de la République de consulter tout le monde. Tout le monde, pas seulement son Union sacrée. Une obligation. Okay? C'est une obligation.
Mais il a fait appel à la consultation. Merci, merci. Personne n'a eu consultation. Il avait consulté les gens. Alors, merci. On va passer au deuxième sujet. On n'a plus beaucoup de temps. Le travail de l'IGF. Est-ce qu'il faut qu'on puisse, lever les immunités de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo parce que l'affaire Boukangalonzo a refait surface? Monsieur Jean-Pierre Bélessi, comment vous trouvez le travail fait par l'inspecteur général des finances? Mais Samra, je vous dis merci pour votre question, mais avant de répondre, je voudrais un tout petit peu répondre à mon ami Isaac. Soyez... Je serai très bref là-dessus. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre peut-être que dans tout ce qui se passe à l'Est du pays comme insécurité, il y a des causes qui sont non seulement endogènes, mais aussi, il y a aussi des causes exogènes. Il faut les savoir, mais ça montre. C'est pourquoi j'aurais dit que, en tout cas, on peut, bien sûr, n'est-ce pas, lever l'option militaire, je ne suis pas contre, mais il faut aussi que cela soit accompagné par une option diplomatique pour que c'est le deux aille de peur, en fait, que nous puissions en tout cas recouvrer la paix à l'est du pays. C'est une dimension très importante, mais aussi une autre dimension, M. Ambroise. La logistique, c'est très important parce que ceux qui sont partis là-bas, il faut qu'ils soient, en tout cas, du point de vue prime, hein, parce qu'ils sont partis pour se battre, combattre les ennemis. Tout ça, c'est pris en compte. Exactement. On a pris tout ça en compte. Voilà, il faut que cela soit. Pendant l'état de siège, on soutient les militaires. Voilà, je reviens maintenant à la question de Boukangalonzo. Il faut dire ceci, M. Amboise. Je voudrais d'abord commencer par dire que le projet Boukangalonzo, c'est un projet salvateur. Ça, je l'ai dit tout haut. Parce qu'il faut reconnaître que nous étions dans la logique de diversification, de la diversification dans notre économie, pardon. Un projet salvateur dans sa conception, mais bien, dans sa gestion. Il faut savoir, M. Ambroise, que jusque-là, le Congo dépend encore beaucoup plus des matières premières. Alors, il a fallu diversifier l'économie, c'est-à-dire promouvoir l'agriculture, en fait que nous puissions avoir ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est du point de vue principe. Et si réellement ce projet n'a pas abouti, moi je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine-là, mais seulement ce que fait l'IGF, je pense que d'une manière rationnelle, je ne trouve pas d'inconvénients. Mais seulement, nous voulons, Monsieur Ambroise, que lorsque on mène ces jardins d'enquête, soit donc ces jardins de. Qu'est-ce que je veux dire? Des enquêtes, on peut des enquêtes, mais il faut que cela se fasse en toute indépendance, mais aussi en toute transparence. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, M. Ambroise, la célérité avec laquelle l'UGF est en train de traiter, je dirais, les KECC, je peux dire ça comme ça. Parce que nous avons quand même appris des situations aussi graves, des détournements des deniers publics. Pour premier, le ministère de la Santé, ici, chez Eteni Longondo, chez Mme Acacia, ministre de l'économie. Tout cela sont les vrais problèmes. Pourquoi cette rapidité, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit de personnes, soit de cadres, entre guillemets, FCC? C'est ce que nous voulons. C'est-à-dire, cela suppose quoi? C'est une charge pardon, aux sorciers. Monsieur Amboise, je vous donne un autre élément. Monsieur. Vous voulez relever le fait qu'il y aurait deux poids, deux mesures? Tout à fait. Monsieur Amboise, vous savez. Mais sans dire que c'est faux, ce travail. L'IGF, c'est un service public de l'État, à caractère justement technique. Parce que l'IGF ne doit pas aussi faire des déclarations publiques comme il est de le faire, c'est M. Alinghetti, si je ne me trompe pas. Comment peut-on expliquer, M. Ambroise, un technicien qui vient à la télé dire, qualifier des gens, tel est un voleur, l'autre ne l'est pas, mais il a eu cette compétence où? D'où est-ce qu'il tire cette compétence-là? Parce que les gens. Après, il a cité les noms des personnes. Non, il a qualifié les Sénats dans son entièreté, dans son ensemble, qui se sont des voleurs. Mais lui, il n'a pas cette compétence. C'est la juste, M. Ambroise. C'est la juste. Nous sommes sérieux, M. Ambroise. Il y a plus de 100 sénateurs là-bas. Mais c'est une chambre, quand même, il faut reconnaître, une chambre des sages. Vous ne pouvez pas dire, vous voyez tous ces gros-là qui sont là-bas, tous ces gros poissons-là, ce sont des voleurs. Il n'a pas cette compétence-là. Parce que l'IGF, M. Ambroise, n'est pas la justice. C'est la justice celle qui a la compétence de qualifier les infractions pour dire ce monsieur est voleur et l'autre ne l'est pas. Mais donc il vient avec des déclarations aussi tapageuses et graves. Moi, je pense que si M. Ambroise, à mon avis, que là,
l'IGF est en train de biaiser complètement son travail. De par son comportement, cela nous met une puce à l'oreille pour dire ça, ce n'est pas un travail qui est rationnel. C'est-à-dire ici, c'est une justice à double vitesse. Parce que nous constatons par ailleurs que lorsqu'il s'agit de personnes qui sont d'obédience du président de la République, l'IGF ne joue aucun rôle, ne fait rien là-dessus. Et c'est grave. Nous ne l'avons pas accepté, ça, M. Amoral. Merci. Monsieur Isaac Makoukou, est-ce que vous avez la même... perception de choses. Je suis désolé. Les mouvements rebelles que vous avez cités là ne font pas partie de l'Union sacrée. Ils ont déclaré. Ils ont déclaré, ça c'est le problème. L'Union sacrée, faut compter. Comment leur problème? Il n'y a jamais l'approbation de l'Union sacrée. Je vous parle en tant que cadre. Quand quelqu'un dit je le suis, il est. L'Union sacrée, pas nous connaissons. Le président fait appel à tout le monde. Vous connaissez comment? Comment un citoyen ordinaire peut atterrir? Vous ne savez pas. Vous ne savez même pas comment un citoyen ordinaire peut atterrir. Vous ne savez même mis dans le gouvernement. Vous ne savez même pas comment un citoyen ordinaire peut atterrir. Vous ne savez même mis dans le gouvernement. Vous les avez même mis dans le gouvernement. Vous ne connaissez même pas le nombre des accadéens. L'Union sacrée, il faut compter. Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Bemba, tu sais que c'est pas. Je réponds à la question de Matata Ponyo que vous m'avez venu me poser. Je suis désolé pour quelqu'un qui a dirigé ce pays plus de 6 ans ou 4 ans. Il a fait 4 ans. De dire que la justice congolaise est instrumentalisé. Oui, ça voudrait dire que aujourd'hui, M. Matata Ponyo ne pourra même pas aller devant les juges de paix porter plainte parce que cette justice que lui, il était aussi acteur de dire qu'il est instrumentalisé. Devoir de mémoire. Oh là là. Moïse Katoumbi, quand on disait que laissez-moi terminer parce que qui ne devient pas des donneurs de leçons. Mais face à des cas concrets, qui ne devient pas des donneurs de leçons. Parce que Moïse Katoumbi, on a instrumentalisé. Il a amené le mercenaire. Il a volé la maison de M. Stoupi. Il n'a pas la nationalité. Tout cela est conscient. Les juges qui devaient prononcer non-lieu, vous savez la situation. Non, c'est malheureux. Vous devez comprendre qu'il y a un principe. Tout celui qui a eu une petite parcelle du pouvoir de l'État ou gestionnaire des choses de l'État a l'obligation de redevabilité. L'IGF, c'est un service de l'État. Et les inspecteurs généraux de finances, là, ils sont aussi les OPJ. Mais ils ne condamnent pas. Oui. Ils ont fait un rapport. Alors, aujourd'hui, c'est pas la télé. Aujourd'hui, c'est pas la télé. Aujourd'hui, l'institution qui demande. Il faut pas que Monsieur Matata s'agite. Il a des casseroles qui traînent. Moi, qui voyage que par bateau. Moi, je ne défends personne. Je ne défends personne. Je suis dans les principes, monsieur. On a pris beaucoup de temps. Je suis dans les principes. Alors, sinon, monsieur Matata, moi qui voyage par bateau, il nous a fait cocolo. Il est OK. Il est OK. Il est là. L'immeuble intelligent. Congo Airways. Alors. Le problème, vous reconnaissez quand même les actions de Matata. C'est la Cour de cassation. Vous reconnaissez quand même. Non, c'est une institution. La Cour de cassation va trancher. C'est une institution, par rapport à ses fonctions, il bénéficie sur ce qu'on appelle le privilège de juridiction. Merci. Qui a demandé la levée d'immunité de M. Matata. M. Matata doit préparer sa défense. Merci. Le parquet instruit à charge et à décharge. Alors, ce n'est pas de ce monsieur-là de dire aujourd'hui que la justice congolaise est instrumentalisée. C'est de la mauvaise foi. Merci. Mais pourquoi il doit justifier de la République. Instrumentalisé ou pas, un franc de la République. Vous devez le justifier. Et ce n'est pas M. Kitoko qui me dira le contraire. Mais M. Kitoko, on termine avec vous. Malheureusement, M. Kitoko dira le contraire. Ah oui. Il vient d'affirmer. Donc, quand vous gérez l'argent de l'État, il a chuté pour dire que M. Kitoko ne lui dira pas le contraire. Mais maintenant, M. Kitoko va le démontrer le contraire. Il a déclaré tout à l'heure là que l'Union sacrée, c'est Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Bemba, et le président Baratia. Et les autres, c'est 15 personnes de l'Union sacrée.
avec raison. Il ne sait même pas démonter. Non, vous embrouillez le monsieur, monsieur Isaac. On parle de ça. Il ne sait même pas démontrer comment un citoyen lambda peut adhérer à l'Union sacrée. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'on ne peut pas adhérer sur cette question, on a débordé. On a fait le consultant. Maintenant, pour revenir à au cas de l'IGF, vous savez, nous devons être honnêtes lorsque nous parlons de la question de la République dans notre pays. C'est très important. Demain, ce qu'il affirme ici peut le rattraper demain ou après-demain. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas la levée de l'immunité de Matata Ponyo qui m'inquiète, c'est la théâtralisation. Exactement. La théâtralisation de la question venant par les gens qui doivent opérer dans le cadre même des secrets d'État. Dans les silences. Vous savez, nous sommes dans un pays où les secrets d'État n'existent plus. On envoie une convocation dans les réseaux sociaux. L'adresse de tous les Congolais aujourd'hui, les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait 25 ans en France. Je n'ai pas vu la signature du président de la République pour dire ordre d'émission des gens qui vont voyager ici et là. Je n'ai pas vu. Mais dans les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les Congolais, tu en trouves. Plein, à tout moment. Qui font ça, ce sont les gens qui sont censés protéger les secrets d'État congolais dans ce pays-là. Même l'IGF ne devait même pas se montrer, sincèrement, dans les médias. Et c'est surtout indiqué, comme j'ai vu là, vous que vous le vouliez ou non, ce procès doit avoir lieu ou aura lieu. Non, ce n'est pas à lui de déterminer le procès, c'est le juge, c'est le tribunal. Eh bien, le procès, quand pensez-vous, le procès... Non, je dis ceci. Dans le cadre généralisé, où il peut opérer partout, je peux comprendre. Je vous pose une question, Ambroise, je sais que c'est vous qui nous posez des questions, nous répondons. Lorsqu'on vous dit que vous avez le droit de prendre seulement 100 dollars et vous en prenez 300 dollars, ça s'appelle comment? Dépassement. Ça s'appelle comment? Allez-y. Détournement. Dépassement. Vous comprenez? Il a répondu par dépassement. Non, ça s'appelle détournement. La présidente, le sang vous a terminé, mais vous ne justifiez pas les 200 euros que vous l'avez pris comment? Tout à fait. Vous comprenez? Et l'IGF. Le dépassement n'est pas une infraction. L'IGF ne fait aucun dépassement n'est pas une infraction. S'il vous plaît. Ce qui ne vous est pas autorisé est considéré comme une infraction par le moment où la loi ne vous autorise pas. Mais ce qui vous est autorisé est autorisé et c'est légal pour que vous puissiez l'appliquer. Merci, merci. Alors, pour dire ceci, l'IGF devait se retrouver partout. À la présidence notamment. À la présidence de la République, dans toutes les institutions, et non pas indexer une institution comme le Sénat pour dire que cette institution est une institution de voleurs. Ça fait la honte dans notre pays. Mais le problème, c'est la raison. Je donne conseil. Je donne conseil à l'IGF, au nom de la patrie, au nom de l'élégance qu'il doit porter par rapport à la justice de notre pays, qu'il arrête de s'exposer dans les médias. Merci. Oui. Et qu'il fasse son travail dans tous les sens. Les Congolais voudraient comprendre qu'on n'a pas poursuivi, on n'a pas fait chasse à l'homme et qu'on a fait un travail généralisé dans toutes les institutions. Monsieur Michel Kitoko, nous vous remercions. Vous êtes initiateur. Initiateur de la dynamique politique Pesa Congo la boucle. Et je l'aurai. Vous aurez la clé. C'est pas possible. Qui va vous la donner? Je l'aurai. Et la population souveraine. La clé se trouve chez qui? Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour échanger la politique. Pesa Congo la boucle. Vous allez adhérer. Vous allez quitter votre union là pour adhérer. Merci, monsieur Michel. D'ici sous peu. Monsieur Isaac Wakoukou, merci aussi. Vous êtes ensemble pour la République. Et puis, monsieur Jean-Pierre Bélessi du PPRD, merci. Merci. Dames et messieurs, vous étiez nombreux à suivre cette émission que vous avez certainement aimée. Merci à vous. On vous retrouve prochainement pour d'autres. I'm on the